Salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dessin et coloriage dans lequel j'ai dessiné. Ce que j'ai sur les bras, parce que j'ai des petites choses. C'est pas grand chose, c'est j'ai une petite un petit problème de peau ces derniers temps. Mais c'est en train de se résoudre, voilà. Donc pas de soucis. Donc voici mes feutres à alcool.
ensuite. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Donc, j'ai choisi de faire sur ce dessin pour plusieurs raisons. Déjà, je cherchais à faire, eh bien, quelque chose plutôt coloré. Donc je voulais faire plutôt des cheveux colorés. Et ensuite, donc ce sont tout ce qui est recommencé à l'infini, comme ça. Après, ça en reste pas moins un bon anime. Mais voilà. J'ai pas été très fan, à vrai dire. Cette idée sur mon Discord ASMR qui est dans la description pour ceux que ça intéresse. On y fait plein de choses en vrai. Venez, on s'amuse bien. On parle pas que d'ASMR. Donc bien sûr, c'est comment un Discord pour ma chaîne ASMR. Je sors des vidéos, on en parle, tout ça, mais globalement surtout on rigole. Donc vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, venez discuter avec nous. Puis pareil, vous pouvez donc pas discuter avec moi, avec nous, me donner des idées, des conseils pour ma chaîne, des idées de vidéos, tout ça, tout ça. Vous avez regardé ma première vidéo dessin qui date un petit peu maintenant. Vous devez vous souvenir que j'avais des premiers feux d'alcool qui étaient noirs visuellement. Je les ai eus pendant 3 ans. Je les ai vraiment torchés. J'ai fait Je les avais payés 45 euros sur, je crois que c'est Discount, je ne sais plus, ça date, j'avais 16 ans, ou 15, non plutôt 15 d'ailleurs, je ne sais plus trop. Bref, j'ai adoré. Ce petit détail là, c'est censé être une sorte de violet aussi, mais vraiment les couleurs ne rendent pas du tout pareil.
lâché. Anciens feutres et j'ai massacré un dessin à cause de ces feutres. J'étais furieuse et à cause du Covid, je ne pouvais pas les renvoyer parce que c'était pendant le confinement. Donc plus tard, je les ai revendus sur le Bon Coin. Et après ça, il y a eu une chasse assez immense. Sur ces pattes.
nécessairement dans l'ordre de sortie parce que je ne sais pas encore tout à fait déjà quelle vidéo je vais sortir samedi. Mais sont prévus un roleplay des mutants ASMR dans lequel je jouerai le rôle d'une personne qui fait sa toute première vidéo en tâtonnant, en étant maladroit. Voilà. Ensuite, je vais faire une vidéo sur ma collection. Je ferai un let's play sur Pokémon épée et bouclier. Là, voyez, on peut repasser avec le même feutre pour intensifier. C'est quand même très pratique. Ensuite, je sais pas tout à fait quelle vidéo je ferai. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas encore maintenant. Là, je fais les yeux, du coup. Mais du coup, je ferai une vidéo sur Animal Crossing aussi. Quand mon île sera satisfaisante à mes yeux. En parlant de yeux, du coup, là, j'étais en train de les faire. Et là, je vais me munir d'un autre crayon. Qui est un crayon qu'il faut secouer. Comme ça. En fait, c'est de la peinture en feutre. Et je m'en sers pour faire les reflets dans les cheveux, mais surtout si vous avez des idées de vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à venir sur mon Discord pour m'en parler directement ou en commentaire si vous préférez. Donc, vous voyez, pour les yeux, c'est quand même super chouette.
c'est plus intense du côté de Rennes au final. Ça sera terminé pour cette vidéo. Pour la peau, je vais utiliser zone d'ombre. Ensuite, avec le feu plus rosé, je m'attaque à ces petites joues toutes roses. Et je vais venir estomper. S'estompe moins bien que d'autres, notamment celui-là, le marron très pâle, il a un petit peu plus de mal à s'estomper. Je me suis trompée, j'ai peut-être pas pris le bon. Mais bon, il a fait l'affaire quand même.
reste moi-même, ça m'a pris à peu près 3 heures.